À l'initiative de la société civile tunisienne, des associations et organisations de défense des droits de l'homme ainsi que des anonymes et plus de justice et de liberté ont manifesté ce samedi 25 février 2023 au siège du syndicat national des journalistes tunisiens pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme discours au réel raciste et xénophobe qui vise la communauté subsaharienne en Tunisie. Les manifestants ont arboré ostensiblement des pancartes et banderoles où on pouvait lire des mots forts et engagés. Les marcheurs ont battu le pavé du quartier Belvédère en passant par Lafayette et le passage, scandant des slogans de solidarité envers la communauté subsaharienne et condamnant les propos racistes. On pouvait entendre « Solidarité avec les migrants sans papier » ou encore « La Tunisie est africaine, à bas le fascisme, non au racisme, non à la discrimination en Tunisie ». Le point de convergence était le théâtre municipal à l'avenue Bourguiba, où s'est tenu le grand rassemblement. Voilà, la présence des subsahariens en Tunisie, ça me dérange pas en vrai. C'est normal, c'est un flux humanitaire qui bouge et circule librement en Tunisie. La Tunisie a toujours été comme étant une terre d'accueil, une terre qui accepte tout le monde, là où vraiment il fait bon vivre. Vous avez vu tout ce joli monde aujourd'hui pour dire qu'il ne nous représente pas. C'est un discours qui ne représente pas la Tunisie. On a toujours appelé la Tunisie une terre d'accueil. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va changer. En tout cas, vous avez eu un échantillon aujourd'hui de la Tunisie de demain, qui refuse toute discrimination, qui refuse tout racisme et qui est là pour la diversité. Il faut rappeler que depuis plusieurs mois, sous le couvert de la défense de la sécurité nationale, un parti nationaliste mène une campagne raciste demandant au monde de dire ce qu'il y a et de prendre les mesures nécessaires. Mais fonction des informations qu'il a. Il explique qu'il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique et que certains individus ont reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariennes. C'est un complot qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur du pays? Mais comme je vous disais, il y a plusieurs éléments. Ils peuvent venir, il y en a qui sont à l'intérieur du pays, il y en a qui sont à l'extérieur du pays. Il y a des réseaux, vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois que le fait de lier la migration illégale avec des réseaux. Qui profite de cela? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ce phénomène-là. Et ceux qui payent, ce sont les migrants. Et ce que nous voulons éviter, c'est des tensions supplémentaires, inutiles, dangereuses, qui peuvent entraîner une situation beaucoup plus compliquée qu'actuellement. Et quelles mesures vous comptez donc prendre pour lutter contre cette immigration illégale? Mais d'abord, il faut essayer d'expliquer que tous ceux qui vivent de l'envenimement de cette situation sont irresponsables. Il faut remettre la question dans son cadre. C'est ce que nous avons fait. Nous avons publié un communiqué et nous sommes en contact avec les parties concernées pour apaiser. Ce dont on a parlé, c'est la migration qui peut devenir difficile à gérer ou dangereux. Alors il faut alerter, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmentation du racisme et de la violence dans une société qui était considérée, la société tunisienne, considérée jusqu'à maintenant comme pacifiste et ouverte? Alors elle est pacifiste et ouverte, et là je vous renvoie à toutes les actions qui concernent la migration légale ou illégale dans tous les pays du monde, y compris dans les pays européens. Je ne sais pas si là encore ils se considèrent comme des modèles, je ne sais pas. Mais il faut vraiment sortir de cette dynamique où nous mettons la Tunisie sur le banc des accusés et qu'elle doit se défendre tout le temps. Le fait de dire que nous avons un problème, comme beaucoup de pays dans le monde, d'un problème de migration illégale, ce n'est pas un crime. Et il ne faut pas accuser les autorités tunisiennes de plus que ce qu'elles ont dit. Le président de la République était absolument dans ses responsabilités en disant ça. Maintenant, c'est de la responsabilité de tous ceux qui interprètent et qui donnent des qualifiés. Moi, j'ai été très étonné du communiqué de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça veut dire, discours haineux? De quoi parle-t-on? Et même les dérapages, quand il y a eu des dérapages, ce ne sont pas les autorités qui sont responsables de ça. Les autorités sont en train de prendre toutes les mesures pour protéger tout le monde. Mais les dérapages, ils existent toujours. Quand il y a deux mois de cela, une tuniso-européenne meurt dans un commissariat dans une grande capitale européenne et que jusqu'à présent nous n'avons pas d'explication, très probablement sous les coups de la violence policière, nous n'en avons pas fait un plat.
Nous n'avons pas dit que c'était une attitude haineuse. Nous attendons les rapports et la confirmation, etc. C'est raciste. Là. C'est Il ne faut plus mettre la Tunisie sur un banc et commencer à harceler. C'est une attitude qui est irresponsable. Nous voulons une Afrique indépendante. Ah bon ? Parce que nous sommes dans la lignée des pères fondateurs. Soyez salués. Vous avez écouté ces deux vidéos que je vous ai présentées. Avant de commencer, il y a eu une manifestation de soutien de la majorité des Tunisiens, n'est-ce pas, aux migrants qui sont là-bas dans les pays, la Tunisie. Solidarité à bas le fascisme. C'était le slogan qui était lancé contre ce régime fasciste qui aujourd'hui en Tunisie, il faut le nommer ainsi. Il faut, n'est-ce pas, percer l'abcès, il faut toucher du doigt. Il faut dire ce qu'il faut, il faut décrire et qualifier ce régime tel qu'il est. C'est un régime fasciste et raciste. Vous avez écouté le ministre des Affaires étrangères tunisien, qui, ma foi, il parle de d'irresponsable. Voici, n'est-ce pas, le bourreau qui se met en posture victimaire. Il trouve que la Tunisie est mise sur le banc des accusés. Et que nous sommes en train de nous acharner contre, n'est-ce pas, les autorités tunisiennes. Mais ma foi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voici un régime qui s'arroge le droit et qui s'affiche publiquement comme étant un régime raciste. Un régime raciste. Les propos du président tunisien, Saïd Kaïd, ne sont pas responsables, sont irresponsables. Dire stigmatiser la communauté noire là-bas en Tunisie, c'est l'indignation totale à travers le monde. Et quand on sait que même à l'extérieur, il y a des Tunisiens, il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire, il y a des Tunisiens en France, aux États-Unis, qui sont également des migrants, des immigrés. Chers messieurs, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez vous excuser. Que de justifier vos propos abjects, inqualifiable, irresponsable, qui frise le nazisme. Oui, les autorités tunisiennes doivent faire profil bas et s'excuser. Parce que leurs propos frisent le nazisme. Ces propos sont inqualifiables, sont condamnables. Il faut les dénoncer avec la dernière énergie. Vous parlez des migrants qui sont en situation régulière, chers messieurs. Nous ne sommes pas dupes. Là-bas en Tunisie actuellement, même ceux qui sont en situation régulière sont traqués comme des lapins. Ils sont vidés de leur domicile. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont retranchés. Oui, on le voit partout, sur les réseaux sociaux, partout. Les médias tunisiens également, indépendants, publient. Ils publient, ils font des reportages sur la souffrance, sur la misère qui s'abat, sur le racisme qui s'abat, sur les compatriotes noirs qui sont là-bas en Tunisie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voici un régime qui est aux abois, il faut le dire. Le régime de Saïd Kaïd est un régime minoritaire qui est aux abois. C'est un totalitaire, ce monsieur. Et donc, pour distraire, pour cacher son échec patent, par désaffection, on lance des partisans minoritaires, manipulés, intoxiqués, hypnotisés, pour cacher l'échec lamentable face à la crise qui frappe la Tunisie. L'irresponsabilité dont parle le ministre des Affaires étrangères, c'est quand on fait des migrants votre programme de société et de gouvernement. L'irresponsable, c'est vous, chers messieurs. Vous prenez un communiqué laconique pour dénoncer, n'est-ce pas, le communiqué de l'Union africaine. L'Union africaine est dans son rôle. Puisque quand vous encensez dans votre discours, dans votre interview, oui, que la Tunisie était, n'est-ce pas, est un pays africain. Et vous positionnez comme étant le porte-étendard de l'Afrique. Non. Est-ce que vos militants minoritaires, n'est-ce pas, manipulés à souhait par vous, savent qu'ils sont en Afrique? Non. Parce qu'ils demandent à ce que les Noirs quittent, n'est-ce pas, la Tunisie. Parce qu'il faut d'abord, comment dire, sensibiliser, moraliser, éduquer, n'est-ce pas, vos partisans, n'est-ce pas, comment dirais-je, manipulés à souhait contre, n'est-ce pas, les migrants qui sont là-bas en Tunisie. C'est eux qui sont les cancers aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en train de traquer les subsahariens qui sont là-bas en Tunisie
parce que c'est vous qui êtes à la base. Vous sortez pour parler, n'est-ce pas, d'un pays d'accueil, un pays hospitalier. Oui, chers messieurs, mais par contre, c'est vous qui allumez le feu. C'est vous qui incitez vos militants minoritaires pour aller s'en prendre à une communauté, n'est-ce pas, démunie. À une communauté, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui a trouvé, n'est-ce pas, refuge chez vous, n'est-ce pas, en Tunisie. C'est vous qui êtes irresponsables. C'est vous les irresponsables qui attisez la haine. C'est vous les irresponsables, les politiciens perdus dans leur élan politique et qui trouvent comme lieu de sauvetage des migrants qui sont moins de 2% de la population tunisienne. Votre échec politique, votre échec économique, votre échec social, oui, votre échec social, votre échec à pouvoir diriger convenablement, paisiblement la Tunisie, votre échec de pouvoir rassembler les Tunisiens, votre échec patent, lamentable, flagrante, factuel, évidente, qui est décrié par les Tunisiens majoritaires, vous voulez jeter ça sur les migrants. Ils ne sont pas responsables de votre échec et de vous et de votre président. Les irresponsables, c'est vous, chef politique en cravate, qui n'avez pas honte d'attiser la haine contre, n'est-ce pas, un peuple démuni, contre les Noirs qui sont démunis là-bas. Les irresponsables, c'est vous, qui n'avez pas honte, n'est-ce pas, d'inciter vos militants, n'est-ce pas, drogués, manipulés, des haineux, des racistes, des fascistes, contre, n'est-ce pas, les Noirs qui sont en Tunisie. Vous savez très bien qu'il y a des Noirs, il y a des Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas été touchés, ils sont protégés. Nous vous disons encore une fois, depuis cher messieurs, vous devez la fermer et par contre demander excuse à la communauté noire. Oui, parce que votre attitude, vos propos inqualifiables, vos propos irrespectueux, vos propos, comment dirais-je, irresponsables, frisent le nazisme. Les propos de votre président frisent le nazisme. Il faut le dire. Nous sommes indignés de voir des responsables politiques tunisiens se comporter ainsi. Oui, Afrikia. Afrikia vient de chez vous en Tunisie. Et aujourd'hui, la Tunisie se trouve en Afrique. La Tunisie ne se trouve pas en Europe, ni en Asie, ni aux Amériques. Non. Il y a des clandestins tunisiens en France. Il y a des clandestins tunisiens en Espagne. Il y a des migrants tunisiens dans d'autres pays. Ce n'est pas un paradis sur terre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui accuser les migrants qui sont là-bas chez vous en Tunisie de tous les maux, de tout l'état de la Tunisie. Nous sommes désolés, chers messieurs. C'est vous les responsables. C'est vous les corrompus. C'est vous les vendus. C'est vous les indignes.